Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Je sais, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas filmé de vidéo parce que tout simplement, j'avais vraiment besoin d'une petite pause. J'étais épuisée pendant le ramadan. En plus, j'ai fait mon maximum pour vous préparer pas mal de vidéos. Du coup, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et voilà, avec les vacances et tout. Et en même temps, je suis en train de préparer mes vacances parce que je vais aller au Maroc très, très bientôt, dans un mois pratiquement. Donc j'ai vraiment hâte et j'ai fait quelques achats. Alors il y a du Kiabi et du Bohou bien évidemment parce que franchement sur le site je trouve mais des pièces. Waouh, vous allez voir vraiment j'ai trouvé des pièces canon. Alors pour information sur le site Kiabi ou au magasin actuellement il y a les ventes privées donc il y a jusqu'à moins 50%. Du coup j'ai pris quelques pièces, j'ai pris 3 pour moi et j'ai pris des pièces aussi pour mon fils. Alors, j'ai tout d'abord pris cette chemise, donc il se présente comme ça. J'ai beaucoup aimé en fait la couleur lilas que j'ai pas du tout dans ma garde-robe et pour l'été je trouve ça très sympa. Donc la matière est très fluide. Je l'ai pris en taille M et en fait elle coûtait 12 euros, donc moins 50%. Je l'ai payé 6 euros. J'ai pris aussi ce petit top. Donc il se présente comme ça, c'est un top très simple, fluide, rose fuchsia, pareil, j'ai pas beaucoup de couleurs en fait flashy, je suis à fond dans le blanc, nude et noir, et du coup je me suis dit ça serait sympa de changer un petit peu, donc je l'ai pris également en taille M, donc voilà, c'est vraiment très agréable pour l'été. Alors, donc pour les prix, je vais pas regarder à chaque fois, je vous mettrai tout en barre d'informations, mais ça coûtait pas très cher. Et j'ai pris également ce petit top également en blanc. Voilà, je le trouvais très très sympa, colvé avec les détails en fait à ce niveau-là. J'ai également pris la taille M. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Voilà pour ce petit top que je pense porter avec... Ah là là! Alors je vais vous montrer l'ensemble que j'ai commandé sur le site Bohou, que je trouve canon. Et le voici, regardez-moi la beauté de cet ensemble tailleur pour femmes en version unie. J'ai littéralement craqué, je le trouve canon cet ensemble. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup les détails, la couleur et waouh. Par exemple, ce genre de tenue pour la mairie, pour les occasions et tout, pour les soirées, ça peut être vraiment super sympa avec une jolie paire de sandales. C'est vraiment, vraiment canon. Personnellement, que j'aime bien. Donc j'ai pris la veste en taille 36, le pantalon également. Par contre le pantalon je le trouve un petit peu serré, mais je sais pourquoi, parce que pendant le ramadan j'ai un petit peu abusé, un peu trop, et voilà, c'est pour vous faire des recettes et du coup moi je mange beaucoup, donc ça c'est pas bon, mais c'est pas grave. J'ai repris le sport donc je suis motivée, je vais perdre les kilos que j'ai en trop, mais sinon l'ensemble le trouve vraiment sublime, la qualité, il n'y a rien à dire, les finitions je pense que vous voyez très très bien, c'est très bien coupé, cintré et tout, c'est trop joli, vraiment j'ai adoré en fait cet ensemble. Le pantalon, de toute façon, je vais vous faire les essayages, même si le pantalon est un petit peu serré, je vais vous montrer un petit peu le rendu, mais je le trouve vraiment sublime. Alors, l'ensemble, il existe en version petite et également pour les grandes, donc je vais essayer de toute façon... Je vais essayer de vous mettre les liens sous la vidéo, comme à chaque fois. Alors, ensuite, j'ai pris... Hop, je vais mettre ça. Ensuite, j'ai pris un autre pantalon large... Donc un petit peu large comme ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé la couleur nude avec des rayures blanches. Donc le voici, que j'ai également pris en taille 36. Et je compte le porter avec cette chemise blanche en satin. Assez simple, mais vraiment l'ensemble très simple, mais très élégant. Donc la chemise, je l'ai commandée aussi en taille S, je pense. Donc voilà pour cette petite tenue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'ensemble assez sympa et je compte les ramener avec moi au Maroc. Donc je vais essayer de vous faire peut-être ma valise, qu'est-ce que je vais prendre avec moi plus tard. Et puis voilà, donc ensuite j'ai pris une combi, j'ai vraiment vraiment adoré la couleur. Donc regardez-moi la beauté de cette combi. Vraiment très sympa pour l'été, la matière est top, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol, c'est un petit peu serré aussi.
Mais voilà, je sais que voilà, j'ai grossi, et puis voilà quoi. Donc bref, mais je rentre, hein, je rentre dedans, il n'y a pas de souci, mais je me sens un petit peu serrée. Donc j'aurais dû peut-être prendre 38 en attendant, voilà. Mais sinon, c'est vraiment trop, trop joli. La combi est juste canon. Donc voilà, les couleurs, les finitions et tout, il n'y a rien à dire. Voilà. De toute façon, je vais vous faire les essayages, vous allez mieux en fait voir les articles. On poursuit avec un autre pantalon un petit peu court. Vous savez, le style de pantalon un peu court, large, c'est le pantalon jupe culotte, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, se présente comme ça, c'est dommage, je le trouve un petit peu transparent, mais sinon la matière, j'aime beaucoup, les couleurs aussi, il n'y a rien à dire, mais dommage, je le trouve un petit peu transparent. Mais sinon, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Je le trouve très, très chic. Et je l'ai commandé également en 36. Mais ça, c'est une coupe qui reste assez large. Voilà pour cette pièce. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la matière. On poursuit avec une autre pièce. Cette fois-ci, c'est un kimono pour tous les jours. Voilà, je le trouvais sympa. J'avais beaucoup aimé, en fait, la coupe. Et sinon, en fait, c'est un kimono vraiment tout simple, blanc, avec des rayures noires. Donc voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Voilà, c'est un kimono vraiment qui reste très, très simple. Pour tous les jours avec un pantalon, un petit pantalon noir, voilà, et des sandales que je vais vous montrer après, plates en noir, ça peut être vraiment très sympa. Et enfin, le dernier article, j'ai trouvé cette pièce vraiment super jolie sur le site Bohou. C'est en fait une veste en jean et j'aime beaucoup le détail dentelle en rose comme ça, très clair avec les petits pompons. C'est un petit peu original. Je dois l'avouer, mais je trouve la pièce vraiment canon. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. Et maintenant, je vais vous montrer la partie accessoires. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment craqué. J'ai pris plusieurs paires de chaussures, mais j'ai pas pu résister. Honnêtement, j'ai pas pu résister. Alors tout d'abord, j'ai pris une paire de sandales à talons comme ça. Canon. Canon en blanc. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les détails argentés. J'ai pris ma pointure habituelle 36 et je la trouve sublime. Voilà, tout simplement pour les vacances au Maroc, c'est top, top, top avec un pantalon, un palazzo et tout, ça peut être super sympa. J'ai également craqué sur celle-ci. Canon. Par exemple, avec l'ensemble, ça peut être super sympa. Et j'ai beaucoup aimé le détail à ce niveau-là. Donc le talon est carrément en strass en fait. Donc voilà, c'est la paire en fait est assez simple. Mais c'est vraiment le talon qui fait vraiment toute la différence. Donc voilà pour cette jolie paire de sandales. J'ai pris également cette paire-là. Donc elle se présente comme ça. En fait, j'ai les mêmes en noir et je les aime tellement que j'ai décidé de les prendre en nude. Parce que voilà, le nude, c'est parfait aussi. Et j'aime vraiment, vraiment la qualité des chaussures chez Bohou. Il n'y a rien à dire. Donc, le détail transparent. D'ailleurs, je les ai déjà portées et j'aime vraiment. Donc, voilà pour ça. J'ai pris aussi une autre paire. Oui, ben oui, j'ai craqué. Donc, j'ai pris plusieurs. J'ai pris celle-ci. En noir, vraiment, j'aime bien moi, en fait le petit détail comme ça. Et c'est hyper méga confortable. Ça, franchement, pour tous les jours, tout en gardant le côté un petit peu classe et chic, franchement, c'est top. Ça, je vais les prendre, c'est sûr et certain, avec moi en vacances. Donc, c'est top. Voilà, en noir, j'aime bien le petit détail. Elles existent aussi en nude. J'ai hésité, mais au final, je me suis dit, bon, je vais prendre les noirs, ça va avec tout. Et voilà, j'ai pris aussi ma pointure habituelle 36. Ensuite, j'ai pris, on dirait en fait des babouches. Donc j'ai pris cette paire-là. On dirait vraiment, vraiment les babouches. Donc voilà, j'aime bien les petits détails comme ça. Voilà, pour tous les jours, ça peut être sympa et c'est hyper confortable. D'ailleurs, je vais les commander en fait pour ma mère parce que je les trouve vraiment super jolies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est un rose. Ouais, c'est un rose clair. Et j'aime beaucoup. Elles existent également en noir. Je sais pas si je vais commander les noirs ou cette couleur-là pour ma mère. Parce que franchement, au pied, c'est juste top. Donc voilà, j'ai pris 36 aussi. Et on est super bien dedans. Alors, pour ces
pour les prix et tout, je vous mettrai vraiment tout en barre d'informations. J'ai pris aussi cette paire-là que je porte. En fait, hop. Voilà, c'est une paire de sandales plates. J'ai adoré ce détail comme ça. Franchement, trop trop joli. Alors à la base, je les voulais en blanc. Et malheureusement, il n'y avait plus ma taille. Et du coup, j'ai pris les noirs. Et franchement, au pied, c'est canon. Donc voilà pour cette paire de sandales. Franchement, il y a pas mal de choses sur le site Bo. Et il y a tout le temps des nouveautés et tout. Moi, je craque tout le temps. C'est abusé. Donc bref, j'ai pris aussi des accessoires. Alors j'ai pris cette jolie paire de boucles d'oreilles. Je les adore. Je les adore, franchement, canon. Je vais essayer de vous faire des close-up. Parce que c'est plus simple. Et j'ai pris trois autres paires de boucles. Je vais les montrer. Lila, couleur lila. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Ça peut changer quand on a une tenue simple. Ça peut vraiment faire très joli. Voilà. Je me suis dit bah, pourquoi pas. Donc voilà pour cette jolie paire de boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai pris également une autre paire. Hop. Et en fait, ça se présente comme ça. J'aime beaucoup. Donc, les voici. Je les trouve très très jolies. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. C'est en argenté en fait. Donc, j'ai pris cette jolie paire Bordeaux. Ouais, on dirait Bordeaux. Voilà. Donc, très sympa aussi. Pas trop long, c'est pas trop court. Et je trouve ça parfait. Donc voilà, avec le petit détail doré, je sais pas, le mélange du doré et rouge bordeaux comme ça, je trouve ça très joli. Donc voilà, pour cette jolie paire de boucles d'oreilles. Franchement, ça c'est top pour l'été. Mais j'avoue que mes préférées, ce sont celles-ci. Alors, enfin, maintenant, je vais vous présenter deux sacs. Donc j'ai pris tout d'abord cette pochette pour les soirées. Canon, mais canon. Je sais, voilà, je sors pas souvent, mais j'aime bien voir ce style de pochette. Voilà, j'aime bien. Et en plus de ça, vu que je vais rentrer au Maroc, donc il va y avoir bah, les invitations et tout et tout. Donc voilà, je la trouve vraiment mais sublime avec les strass comme ça, donc les perles, franchement canon. Donc en rose rose comme ça clair. Ça peut être aussi très sympa comme tenue de soirée avec l'ensemble. Parce que l'ensemble, ça reste quand même un ensemble assez simple parce que c'est un ensemble en version unie. Et du coup, avec la pochette, ça peut être sympa. Donc voilà pour cette jolie pochette. Qualité, franchement, rien à dire, hein. De toute façon, ça se voit. Et je vais essayer de vous faire aussi des close-ups, même si ça me prend un temps fou pour faire ça. Ensuite, donc enfin, parce que c'est le dernier article, j'ai pris en fait ce petit sac. Voilà. Donc c'est vraiment le sac parfait pour l'été et c'est super sympa. Donc c'est tout. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Donc voilà les filles, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. Pourquoi pas, ça peut vous donner des idées, y aller seule, donc ça peut être sympa. Et sinon, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah! Bisous, bisous les filles.